D'abord, tout en bas, il y a les faux seigneurs, et je ne parlerai pas de ceux-là, car ils se croient supérieurs aux simples. Au-dessus, il y a les simples. Au-dessus des simples, il y a les vrais seigneurs, et parmi les vrais seigneurs, il y a les seigneurs de la parole. Mais la parole est creuse, comme un corps sans âme. Au-dessus, il y a les seigneurs de la pensée. Mais la pensée est vaine, comme une âme inincarnée. Au-dessus, il y a les seigneurs du geste, et le geste est l'équilibre de l'âme avec le corps. Au-dessus, il y a les seigneurs de l'esprit, et l'esprit est supérieur au geste, car il existe sans être matériel. Au-dessus, il y a les seigneurs de l'âme, parce que leur aspiration est d'être des simples, et parce qu'ainsi, le cercle est refermé.